Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, chers téléspectateurs. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. C'est lui qui t'a privilégié, c'est lui qui m'a privilégié, et grâce à son nom, nous sommes là aujourd'hui dans votre émission que vous aimez tant. Quand dit la sainte doctrine. Alléluia. Quand dit la sainte doctrine. Et pour cette émission, nous avons sur ce charmant plateau des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu à qui le Seigneur a fait grâce. Et ils vont beaucoup nous aider à décrypter ou à décortiquer ce sujet que nous voulons présenter aujourd'hui. Ce sujet qui est un sujet très, 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 très important. Un sujet très, très important. Et je suis sûr que tu vas aimer, bien aimé. C'est pourquoi, pour commencer, n'oublie pas, pour t'abonner sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook. Alléluia, voilà Jésus. Voilà, donc comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons sur ce charmant plateau nos invités et les serviteurs que le Seigneur utilise puissamment. Je dis les serviteurs que le Seigneur utilise puissamment. Donc c'est avec eux nous allons rester sur ce charmant plateau et ensemble, par la grâce du Seigneur, et ce sujet sera décortiqué et tu seras satisfaite. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités que nous avons. Et à ma gauche, j'ai le serviteur de Dieu, Dr Silas. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, et les téléspectateurs. Shalom, chers animateurs. Shalom. Merci pour l'invitation sur ce plateau charmant de l'émission « Quand dit la Sainte Doctrine ». Je suis heureux de partager mes connaissances au peuple de Dieu et à ce charmant public qui nous suit actuellement. Gloire à Jésus. Soyez les bienvenus. Amen. Merci. À ma droite, j'ai le serviteur de Dieu, le docteur Daniel. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur Jésus pour ce moment qu'il nous a accordé. Et je salue aussi l'animateur. Shalom. Et vraiment, je suis très content de participer à ce programme, cette émission. Et je bénis le Seigneur. Et je sais que, au travers de ce moment, la petite connaissance que le Seigneur m'a accordée, je vais partager avec nous. Gloire à Jésus. Voilà, peuple de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas beaucoup aimer. Alléluia. Amen. Parce que ce thème que nous voulons développer, ce thème jusqu'à quoi nous voulons parler aujourd'hui, vraiment, c'est un thème très, très intéressant, très, très important. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais demander à l'homme de Dieu, Dr Silas, de nous recommander dans les mains du Seigneur et recommander ce moment dans les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette invitation solennelle, cette convocation solennelle que tu nous donnes afin que nous soyons des instruments pour répandre le parfum de bonne odeur afin que ton peuple puisse acquérir de la connaissance, grandir en sagesse afin que la vérité soit commune. La vérité soit commune de tous. Seigneur, utilise-nous et que l'Esprit parle à ton Église en cette fin du temps, en cette fin d'année. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous allez beaucoup aimer cette émission « Quand dit la sainte doctrine ». Alléluia. Donc, pour commencer, je vais d'abord donner la parole à l'homme de Dieu, Dr Silas. Et en bref, Dr Silas, chaque année, les chrétiens ne cessent de fêter la naissance de Jésus-Christ. Mais qu'en dit la Bible à propos de cette naissance de Jésus-Christ? Est-ce que est-ce vraiment le 25 décembre, le jour de la naissance de Jésus-Christ? La question qui m'a été posée est de savoir quelle est la date de naissance de Jésus-Christ? Voilà, la date. Est-ce vraiment le 25 décembre? Donc, vous voudrez savoir la date de naissance de Jésus-Christ. Voilà. Et savoir si c'est le 25 décembre. Voilà. Qui est effectivement la date de naissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous ne pouvons pas répondre à cette question sans parcourir les Écritures. Parce que c'est les Écritures qui nous confinent ce que nous devons pratiquer ou ce que nous devons rejeter ou banni de notre vie chrétienne. Et si nous sommes chrétiens, nous devons mettre en pratique
ce qui est écrit, car ce qui est écrit étant basé sur l'esprit de vie, c'est cela qui peut nous affranchir. Allons-y dans les Écritures. Nous verrons la date de naissance de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a une date de naissance dans sa nature? Est-ce que l'on peut choisir une date de naissance pour Jésus-Christ? Est-ce que c'est 25 décembre, effectivement, qui est la date de naissance de Jésus-Christ? Lisons Michée 5.1. Michée 5.1. Je lis au nom du Seigneur. Et toi, Bethléem Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voici ce que dit la parole de Dieu sur Jésus-Christ. Cette prophétie de Néhémie et de Michée est en train de parler de l'œuvre que Jésus-Christ viendra accomplir sur la terre. Ici, celui qui dominera, celui dont l'origine remonte aux temps anciens et au jour de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Puisque quand nous remontons dans Ésaïe 9, verset 5, la Bible dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, Dieu puissant. Donc, celui sur qui la domination se reposera, c'est Jésus-Christ. Et nous voyons comment Jésus-Christ, lors de sa première venue sur la terre, effectivement, est venu pour pouvoir imposer sa domination, pour pouvoir œuvrer comme un prince de paix, comme un sauveur. Donc, c'est de lui parle Michée 5.1. Donc, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Donc, si l'Écriture nous dit que l'origine de Jésus remonte au jour de l'éternité, pourquoi nous allons parler d'une date de naissance de Jésus selon la chair? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens vont choisir un jour de l'année pour célébrer la naissance de celui dont l'origine n'est même pas dans cet temps? Celui dont l'origine n'est pas dans les calendriers humains. L'Écriture dit que l'origine de Jésus-Christ remonte aux temps anciens. Quels sont les temps anciens? Les temps éternels. L'origine de Jésus-Christ remonte aux jours éternels. Donc, son origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc, est-ce qu'on peut compter les jours de l'éternité, chers animateurs? Est-ce que nous pouvons connaître la source, l'origine des jours de l'éternité? Non. Donc, les jours de l'éternité sont des jours qui ne sont même pas dans le temps. Amen. Or, celui qui dominera quitte l'éternité pour entrer dans le temps. Mais pourquoi allons-nous célébrer sa naissance, sachant que sa naissance, selon sa nature, dans l'éternité, sa naissance, le jour n'est pas déterminé? Amen. Parce que les jours de l'éternité sont des jours éternels, des jours qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de commencement ni de fin. Est-ce que vous comprenez? Donc l'origine de Jésus-Christ ne remonte pas à sa naissance dans la chair. Beaucoup m'ont dit que non, Jésus est né, et le jour où Jésus est né, par Marie et à Bethléem, c'est en ce jour que Jésus-Christ est né. Donc c'est en ce temps que nous, c'est ce jour que nous célébrons. Jésus-Christ, c'est Dieu, même avant d'être né selon la chair. Jésus-Christ n'est pas selon la chair, en tant que, dans sa nature, il n'est pas charnel avant d'être introduit. Il est d'abord éternel avant d'être introduit. L'Écriture dit quoi? Il sera né à Bethléem, dans la tribu de Juda, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Donc, celui qui va naître, celui qui naîtra, son origine remonte au jour de l'éternité. Il est Dieu éternel. Donc, il est Dieu avant d'être né. Maintenant, celui qui célèbre une naissance de Jésus-Christ sur la terre est en train de nier la divinité de Jésus. Parce que Jésus-Christ, son origine, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Personne ne peut connaître les jours de son origine. Qui peut connaître les jours de l'éternité? L'éternité, c'est comme de moins infini à plus infini, on ne peut pas identifier les limites de l'éternité. Amen. Alors si Dieu est éternel, et ce Dieu c'est Jésus-Christ selon la prophétie de Ésaïe 9, le pôle sur lequel reposera la domination, si celui-là est celui qui viendra dominer sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, donc on dit que Jésus-Christ n'a pas de date de naissance selon sa nature, parce qu'il est Dieu, il est éternel. Donc, nous ne reconnaîtrons pas la date de naissance de Jésus-Christ en tant que Dieu. Parce que comment on peut déterminer
la date de naissance de notre Créateur, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Il existe même avant ta naissance. Et toi, tu veux choisir une date pour lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité, ce Dieu, il s'est manifesté en chair. Et c'est quand il s'est manifesté en chair, il est venu accomplir la prophétie de Michée 5.1. Et c'est à Jérusalem, c'est dans la ville d'Israël, c'est en Israël, à Bethléem, précisément à Bethléem, que Jésus-Christ est né. Quand il est né, il est venu accomplir la prophétie. Et la prophétie a été accomplie à sa naissance. Donc depuis la naissance de Jésus dans la chair, on ne peut pas choisir notre jour dans l'année pour dire qu'on va célébrer. Parce que Jésus-Christ n'est plus selon la chair. Alléluia. Hébreux 7, le verset 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Nous savons en réalité que Jésus-Christ, selon Isaïe 5, il est le prince de paix. Et quand on parle de prince de paix, on parle de roi de paix. Parce que le prince est le suprême, celui qui est souverainement élevé en tant que roi qui établit la paix. Pourquoi dit-on que Jésus-Christ est ce roi de justice qu'a parlé l'écriture dans le livre de Hébreux? Jésus-Christ est roi de justice puisque sa venue a pour but d'apporter la justification à tous ceux qui croient en lui. Donc il est venu rétablir la justice. Maintenant l'écriture nous dit que Melchisédek qui avait rencontré Abraham, en réalité, selon la révélation, nous comprenons que ce Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Maintenant l'écriture nous dit quoi? Dans le verset 3. Ah, ce Melchisédek qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Ah, donc toi tu célèbres la naissance de Jésus parce que tu crois que Jésus-Christ, parce qu'il s'est manifesté en chair, ayant une généalogie terrestre selon la chair, tu crois qu'il n'est pas éternel. Or, quand nous parlons de Jésus-Christ, Dieu éternel, il n'a pas de généalogie. Donc si toi tu choisis le jour, un jour dans l'année, pour dire que tu célèbres Jésus parce qu'il est né selon la chair, en réalité tu es en train de te tromper, puisqu'il est venu jouer un rôle, et n'est pas demeuré selon la chair. Est-ce que nous voyons Jésus sur la chair? Il est rebâti. On ne voit plus Jésus physiquement. Depuis que Jésus-Christ a accompli le de la croix, il est remonté à sa position. Depuis qu'il est monté au ciel, il a récupéré sa position éternelle. Donc il est toujours Dieu éternel. Donc on ne peut plus voir Jésus de la chair pour dire que parce qu'il est né à Bethléem, nous devons choisir un jour de l'année pour le célébrer. En le faisant, tu es en train de célébrer une fête charnelle parce que Jésus-Christ n'est plus sur la chair. Donc il n'a pas de père. Il n'a pas de mère, parce qu'il est Dieu. Dans son éternité, en tant que Dieu esprit, il n'a pas de père ni de mère. Et l'écriture dit, il n'y a pas de généalogie. Donc aujourd'hui, quel est l'esprit qui est descendu sur l'église? C'est le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Donc si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es en train de recevoir l'esprit d'adoption de la part de celui qui n'a pas de père ni de mère, puisqu'il est le Dieu éternel, le Dieu esprit. Et personne ne peut engendrer, aucun homme ne peut engendrer l'esprit. Parce que Jésus-Christ est Dieu, il est la parole engendrée. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Donc, si tu vas célébrer la naissance de Jésus-là, l'Écriture dit qu'il est le premier-né de toute la création. Va connaître la date de sa naissance lors de la création. Parce qu'il a été introduit dans le monde comme premier-né de toute la création. Il a été engendré, il est la parole engendrée au commencement pour pouvoir créer toutes choses. Est-ce que tu connais la date à laquelle la parole a été engendrée pour être le premier de toute la création? Mais là, si toi, tu célèbres la naissance de Jésus aujourd'hui, en choisissant un jour de l'année, tu es en train de combattre la parole. Or, la parole dit que Jésus-Christ est le premier né de toute la création. S'il est le premier né de toute la création, est-ce que toi, tu connais la date de la création? Mais pourquoi tu choisis un jour de l'année? Là, tu es en train, en choisissant un jour de l'année, toi, tu n'es pas dans l'éternité. Tu ne marches pas pour entrer dans l'éternité. Tu es en train de marcher dans la chair, dans le temps. Or, celui que nous cherchons, nous adorons, il est Jésus-Christ de l'éternité, mais qui s'est manifesté dans le temps, mais il n'a pas duré dans le temps. Alléluia. Donc on a vu que il n'a pas de père ni de mère. Ah, celui qui n'a pas de père ni de mère depuis qu'il est né, depuis quand il est né, pour que tu célèbres sa naissance. Sa naissance, c'est une prophétie de du livre de Michée 5:1 qui s'est accompli à Bethléem. C'est à Bethléem que le Fils nous a été donné.
que l'enfant est né, que le fils nous a été donné. Et cette prophétie ne s'accomplit pas toujours. Est-ce que Néhémie 5, verset 1, qui dit que Jésus, son origine est d'éternité en éternité, qui naîtra, Bethléem, s'accomplit tous les jours? C'est une seule fois, ça s'est accompli. Donc si toi tu célèbres Noël et la naissance de Jésus aujourd'hui, tu es en train de dire que Jésus naît tous les 25 décembre. Il n'est pas né le 25 décembre puisqu'il est Dieu. Il est le premier né de toute la création. Il est la parole engendrée à la création. Et d'ailleurs, même son origine avant son engendrement remonte au jour de l'éternité. Alléluia. Maintenant, lisons le verset de 2 Corinthiens 5, 16. Lisons. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, si nous avons connu que Christ est venu dans la chair, il s'est manifesté en la chair, il a participé à la chair à Bethléem pendant son entrée dans le monde pour sauver les hommes. Aujourd'hui, Christ n'est plus selon la chair. Christ est comment? Il est esprit et il habite dans nos corps. Donc si Christ habite dans nos corps, Christ nous accordant la nouvelle naissance, nous sommes ceux qui sommes nés maintenant. Donc Christ ne naît plus physiquement, mais en nous Christ naît. Amen. Acclame Jésus. En moi Christ naît. Alléluia. Parce que je suis né de nouveau en Christ. Amen. Donc Christ naît en moi spirituellement. Donc je n'ai plus besoin de choisir une date de naissance parce que je suis en moi, on voit Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc moi-même je suis la date de naissance de Jésus selon l'Esprit. Parce que je suis la nouvelle, le fruit de la nouvelle naissance. Alléluia, je suis à la fin de mon explication. Donc, 25 décembre, il n'y a pas la date de naissance de Jésus. C'est selon le calendrier des hommes. Alléluia. Or, le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu. Nous pouvons nous baser sur ce calendrier pour adorer. Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme. Non, il est Dieu ayant pris la chair humaine. Mais quand il a fini de prendre la chair humaine, c'était pour une mission. Quand il a fini la mission, Dieu, esprit, n'est pas remonté. Alléluia. Donc, l'Écriture dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, si nous avions connu que Christ est venu dans la chair, aujourd'hui, je ne connais plus Christ selon la chair. Je connais Christ en esprit. Et comment voir Christ? C'est en mon frère qui est né de nouveau. C'est en lui, je vois Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, que va nous dire le livre de Romains 9, 5? Romains 9, 5 va confirmer que Jésus est né selon la chair. Maintenant, Romains 9, 5 va nous dire quelque chose qui va nous prouver que Jésus qui est né selon la chair là, il est né une fois pour tout selon la chair, en quittant la généalogie terrestre d'Israël. Mais, en réalité, celui qui est né selon la chair, c'est lui le Dieu béni éternellement. Romains 9, 5. Romains 9, 5 nous dit, et les promesses et les patriarches, il s'agit de qui? Noé, Abraham, Jacob, Isaac, etc. David, la tribu, le tronc d'Isaïe, etc. La généalogie desquelles est sorti le Christ selon la chair. Donc, l'Écriture dit, les promesses, Romains 9, 5, et les promesses et les patriarches de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Ah, comment on peut fixer une date de naissance au Christ qui est au-dessus de toutes choses? Toi, homme charnel, comment tu peux choisir une date de naissance au Christ qui est au-dessus de toutes choses? Ce n'est pas parce qu'il s'est manifesté en chair. Quand il s'est manifesté en chair, il a fini de jouer son rôle dans la chair. Mais aujourd'hui, Christ est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de nous. Et il est quoi? Il est au-dessus de toutes choses. Virgule, Dieu béni éternellement. Amen. Et les promesses, les patriarches de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc Christ est Dieu béni éternellement. Christ n'est pas un homme aujourd'hui dans la chair, mais il a prêché pendant un temps pour sauver les hommes. Donc, comment peux-tu célébrer la naissance? Comment peux-tu choisir un jour? Donc, nous ne connaissons pas un jour de naissance pour Jésus, voilà, selon la chair, ni dans le temps présent. Voilà, mais ce que nous reconnaissons, l'origine de Jésus, la vraie date de naissance de Jésus remonte au jour de l'éternité. Si tu peux connaître les jours de l'éternité, tu connaîtras la date de la naissance de Jésus. Voilà que tu peux connaître les jours de l'éternité. Et d'ailleurs, même si on est dans le temps, au temps de la création, au commencement, Jésus-Christ est la parole engendrée, le premier né de toute la création. Est-ce que tu connais la date où Jésus-Christ a été engendré?
Est-ce que tu peux connaître la date littéralement comme tu le fais aujourd'hui, où Jésus a été comme la parole engendrée à la création? Si tu ne peux connaître les deux dates de la, l'origine de Jésus dans l'éternité et du commencement de toutes choses par l'engendrement de la parole, là, si tu ne connais pas ces deux dates, alors tu ne connais pas la date de naissance de Jésus. Donc, nous ne connaissons pas la date de naissance de Jésus. Alléluia. Mais nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes dans notre émission « Qu'en dit la sainte doctrine ?» Et notre sujet phare, c'est... nous voulons parler à propos du Noël, la fête de Noël. Alléluia. Donc, je vais demander à l'homme de Dieu, docteur Daniel, pouvons-nous célébrer la naissance de Jésus-Christ? Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Et merci pour la question, cher journaliste. La question est de savoir, est-ce que nous pouvons célébrer la fête de la naissance de Jésus? Parce que d'abord, et nous ne reconnaissons pas la Noël, la fête de Noël. Et pour apporter ma petite connaissance avec et à ce sujet, nous dirons dans les Écritures, gloire à Jésus. Et nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 2. La Bible va nous dire ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, et nous sommes venus pour l'adorer, gloire à Jésus. Ici, nous voyons que c'est un verset que beaucoup de gens utilisent pour célébrer la naissance de Jésus. Parce que pour la toute première fois dans les Écritures, ils ont vu que les mages sont venus chercher le roi qui était né et à Bethléem, à Judée. Et la Bible nous a dit ils sont venus l'adorer, gloire à Jésus. Amen. Et selon et les Écritures, nous savons que personne ne connaît la date de naissance de Jésus. Parce que si nous lisons le livre de Psaume 90, le verset 2, la Bible nous dit, avant que les montagnes fussent nées, d'éternité en éternité, notre Seigneur, il est Dieu. Gloire à Jésus. Donc, pour connaître la naissance de notre Saint Jésus, vraiment, il faut remonter au temps d'éternité. Par conséquent, nous ne pouvons pas célébrer la naissance de notre Saint Jésus. Soyez maintenant, pour ne pas vraiment aller loin, je vais nous dire que, en tant que croyants que nous sommes, parce que nous parlons selon la sainte doctrine, selon la doctrine de notre Saint-Jésus. Je vais en venir. Vous me permettez. Amen. L'homme de Dieu, docteur Silas, dites-nous, selon la sainte doctrine, quand dit la sainte doctrine sur cette fête? Oui, sur cette fête, nous venons de comprendre que, et selon l'histoire qu'a développée le docteur Daniel, Jésus est né une seule fois. Et nous ne pouvons pas affirmer aujourd'hui célébrer la naissance de Jésus-Christ si dans les Bibles, la Bible même n'est pas mentionnée Noël, qui est mentionnée par ceux qui célèbrent cette fête. Donc, la sainte doctrine ne reconnaît pas cette fête. C'est ce que nous pouvons dire si dans le développement, nous avions compris que cette fête n'a pas de fondement biblique et que l'origine de Jésus-Christ, que sa naissance n'est pas une naissance charnelle, qu'il est d'abord Dieu avant de se manifester en chair et qu'il a été adoré une fois par les rois mages et qu'il a été célébré en Juda. Si nous comprenons par ces explications que Jésus-Christ est Dieu, nous reconnaissons que la sainte doctrine n'approuve pas cette fête. Soyez bénis. Maintenant, docteur Daniel, dans votre développement de tout à l'heure, vous avez confirmé, parce que j'avais demandé si nous pouvons célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et dans votre développement, c'est qu'on ne peut plus célébrer la naissance de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Voilà. Nous ne pouvons pas célébrer la naissance de notre Saint Jésus parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous savons que le seul fondement, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Donc, si un autre fondement vient rentrer dans la doctrine de notre Seigneur Jésus,
alors nous sommes en train de confondre la chaîne doctrine. Donc, si les mages sont venus adorer le Seigneur, ou soit, s'ils sont venus et le rencontrer pour l'accueillir parce qu'il est né en ce jour, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas mettre ça là dans la doctrine du Seigneur Jésus parce que nous n'avons jamais vu dans la doctrine du Seigneur que ses disciples ont appliqué cela. D'autant plus que les disciples de Jésus n'ont pas appliqué cela, alors ce n'est pas un élément de la doctrine de notre Seigneur Jésus. Et cela pourra nous autoriser aussi, nous croyants dans la sainte doctrine, pour célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Voilà un peu ce que je peux dire dans la sainte doctrine. Nous ne reconnaissons pas la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, docteur Daniel. Et maintenant, docteur Daniel, dites-moi, voilà, dans votre, dans tout ce que vous avez dit, la sainte doctrine ne reconnaît pas la célébration de ces fêtes. Alléluia. Et maintenant, voilà, ces derniers temps, voilà, ce moment, beaucoup courent d'ici par là, et ils sont même prêts pour célébrer cette fête. Maintenant, quel conseil vous avez, quel conseil vous pouvez donner à ceux-là, par exemple? Alléluia, nous aimons ces choses, cette question, et j'ai béni le Seigneur pour la question. D'abord, nous allons partir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33, qui nous dit, ne vous trompez pas, gloire à Jésus, et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, gloire à Jésus. Nous savons que, depuis la création, la Bible nous dit que ce qui a été sera. Ça veut dire que quoi? Les mélanges que nous voyons aujourd'hui, les désordres que nous voyons aujourd'hui, la modernité que nous voyons aujourd'hui, ça existait. Le mélange, et les fêtes, des nombreux des fêtes que nous voyons aujourd'hui, ça existait il y a longtemps. Et aujourd'hui, ces choses reviennent encore dans le but de corrompre les enfants de Dieu. Nous sommes que des soldats, nous marchons en esprit pour le ciel. Et comme le docteur cela disait, il dit que si nous sommes nés en Jésus, alors nous devons marcher comme Christ en esprit. Donc nous marchons en esprit pour le ciel. Donc quelques conseils que je peux donner à mes bien-aimés et croyants à la sainte doctrine en Jésus, je vous recommande d'abandonner la modernité, d'abandonner ces fêtes parce que ces fêtes va vous retarder. La fête que nous avons, c'est le jour de l'avènement de notre Saint Jésus. Le Seigneur nous prévoit de grandes choses là-bas. Et la Bible va nous dire, à la fin, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans le Seigneur, nous avons vraiment une nouvelle intelligence dans le Seigneur. Et cette nouvelle intelligence nous conduit à vivre dans la sainteté, à marcher selon la doctrine du Seigneur, à marcher selon vraiment les éléments de la doctrine du Seigneur afin d'être agréable à notre Seigneur Jésus. Et sans oublier que ce train, le monde entier est conduit par la puissance du malin. Si nous allons sur le train du monde, nous allons nous égarer. Alors, celui qui est notre dirigeant, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui dans la grâce. Donc, si nous allons marcher, marchons conformément au Saint-Esprit. Voilà un peu, chers journalistes, ce que j'ai pu apporter à mes bénis dans la sainte doctrine. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Peut-être, Silas, dites-nous, qu'allons-nous retenir sur ce sujet? Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avions développé vraiment que cette fête est une fête charnelle. Si cette fête n'est pas mentionnée de manière scripturaire dans la Bible, si nous ne voyons pas écrit Noël, et d'ailleurs même si le concept sur lequel est basé Noël, Père Noël, naissance de Jésus, tout cela n'est pas mentionné, nous ne voyons pas ça dans la Bible, nous voyons ça comme du feu étranger. Et c'est une mauvaise doctrine qui vient de troubler, qui vient troubler plutôt la foi des croyants. Donc, la sainte doctrine bannit et désapprouve toute fête basée sur la naissance de Jésus selon la chair. Nous allons célébrer avec Jésus dans l'éternité. Et ça, c'est l'éternité. Nous allons vivre avec Jésus dans l'éternité. Ça, c'est la meilleure fête. Mais célébrer ces choses te conduit à la mort.
Et nous, vraiment, retenons par cet enseignement que le Saint-Esprit veut que nous marchions selon sa parole. Parce que l'Écriture dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? La sainte doctrine. Titre 2, verset 1 dit, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Nous croyons que par cette émission, nous avions dit les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Tous ceux qui célèbrent la fête de Noël sont dans un feu étranger, sont dans l'égarement. C'est un esprit d'égarement qui les conduit. Ils sont en train de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc si tu célèbres la naissance de Jésus aujourd'hui dans la chair et tu organises des festins, tu es en train de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. En tout cas, moi et nous tous qui sommes invités, nous qui sommes sur ce plateau, nous disons que nous ne connaissons pas le Jésus qui naît chaque 25 décembre. Qui naît chaque 25 décembre. Depuis 2000 ans, ce Jésus naît chaque 25 décembre. Et depuis, les chrétiens ne font que célébrer ce Jésus. Jésus-Christ, Dieu, dont l'origine remonte à l'éternité, n'est pas ce Jésus qui naît les 25 décembre. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, nous ne fêtons pas, nous désapprouvons cette doctrine et nous confirmons la saine doctrine de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Maintenant, nous nous tendons déjà vers la fin. Voilà, chers téléspectateurs, bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Pour finir, je vais encore donner la parole au serviteur Daniel de dire au moins juste un mot à nos bien-aimés qui sont braqués sur les écrans et qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et voilà, leur dire quelques mots. Alléluia, shalom peuple de Dieu, chers bien-aimés, vous qui nous suivez actuellement. Et par cette émission, je sais que le Seigneur vous a instruit, je sais que le Seigneur vous a apporté et, au travers de nous les connaissances que vous en manquez. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ça veut dire, si vous n'avez pas la connaissance sur ces choses, vraiment le peuple va dans l'égarement, va et sur le chemin de l'enfer. Et il faut que les ministres de Dieu viennent vous expliquer ces choses. Et quand ils vont venir vous expliquer ces choses, c'est alors que vous allez avoir la vie, parce que la vie est cachée dans la parole de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que la Bible nous dit que les Écritures et nous aident à avoir la lumière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, je nous invite tous à savoir que cette fête, c'est à banni. Cette fête, ce n'est plus à considérer si réellement tu veux marcher avec le Seigneur, si réellement tu et pratiques la sainte doctrine. Tu dois savoir que cette fête ne te concerne pas. Cette fête ne nous concerne pas en tant que croyants de la sainte doctrine et qui marchons vers aller au ciel. Gloire à Jésus. Voilà un peu le mot que j'ai à votre endroit. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Voilà, je reviens aussi à l'homme de Dieu, Docteur Silas. Docteur Silas, vous savez, si en tant que Seigneur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, si nous pouvons avoir cette connaissance, je crois que le peuple de Dieu ne sera pas entraîné sur ce chemin. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'homme de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux hommes de Dieu et qui sont encore ou qui se retrouvent encore dans cette fête païenne? Vraiment, la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et depuis longtemps, beaucoup n'ont pas eu la révélation de cela. Mais par cette émission, nous croyons que la vérité a été révélée. Et d'ailleurs, même avant cette émission, l'évangile Jean Gracien a été utilisé par le Saint-Esprit pour alerter le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a été affranchi. Mais cette émission a pour but, vous, homme de Dieu, vous, ministre de Jésus, vous, brebis du Seigneur, à entrer dans les Écritures pour voir le fondement biblique de la sainte doctrine, si ce fondement vraiment approuve cette fête, mais pas cet enseignement. Nous voyons que le fondement de la sainte doctrine n'est pas vraiment basé, la fête de Noël n'est pas basée sur la sainte doctrine. Donc nous vous invitons, hommes de Dieu, à découvrir la sainte doctrine. Ce que nous vous communiquons, ce que nous avons, c'est la sainte doctrine. C'est la parole de Dieu, c'est la véritable parole de Dieu. En cette génération, c'est la sainte doctrine qu'il faut pour vraiment marcher avec Jésus-Christ. Donc, cet enseignement est une inspiration de la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission « Quand dit la sainte doctrine ». Amen. Et le sujet qui a été traité, c'est le sujet de la fête de Noël. Et en grosso modo, nous retenons que la fête de Noël n'est pas une fête biblique.
Ce n'est pas une fête qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas fêter cette fête. Donc, je vous invite, chers bien-aimés dans le Seigneur, à éviter cette fête païenne dite Noël. Alléluia. Donc, en général, pour finir, docteur, j'aurais voulu que vous dites un mot de fin, juste un mot encourager ceux qui combattent cette doctrine de Noël, les encourager ou les fortifier. Donc, vraiment, je vais dire simplement à nos sœurs, à nos frères qui nous suivent, de partager cet enseignement et de continuer à sonner la trompette et en s'appuyant sur les Écritures. Il ne faut pas parler de Noël. Ce n'est pas bon de parler de Noël sans les Écritures. Il faut aller dans les Écritures. Est-ce que dans la Bible, il est mentionné Noël? Donc, utilisez les versets que nous avions cités et expliquez au peuple de Dieu que ce peuple, ils sont dans l'égarement. Donc, nous vous encourageons à combattre cette pratique vraiment religieuse qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alors à Jésus. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Quand dit la sainte doctrine, bien aimé, il ne faut pas oublier de t'abonner à nos différentes plateformes. Jésus revient TV. Voilà, donc je vais demander à notre bien-aimé, le docteur Daniel, qui va nous recommander dans le nom du Seigneur et clôturer la séance aujourd'hui. Bien avant cela, moi qui vous parle, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel, et comme je l'ai présenté au début, d'où vient cette fête païenne dite Noël. Voilà, donc je crois que ça va beaucoup t'aider, ça va te bénir et ça va beaucoup t'édifier, ça va édifier ton âme. Soyez bénis. Amen. Et nous voici à la fin, nous allons prier et recommander cette séance entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel mon Dieu, le Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Et toi le premier et le dernier. Je sais, Papa, que tu as été présent au milieu de nous. Je crois que tes enfants, Seigneur Jésus, oui, seront édifiés et sont édifiés, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as commencé dans leur vie au travers de cette émission. Seigneur, je prie, Papa, nous que tu avons utilisé, oui, pour édifier ton peuple, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ton onction dans le nom puissant de Jésus. Et je prie, ta parole nous dit que la parole qui sort de ta bouche, ça doit accomplir sa volonté avant de revenir à toi. Je prie, Papa, que, oui, les paroles que nous avons sorties, basant sur la sainte doctrine, que cela accomplisse sa volonté dans les vies, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Que ton nom soit béni. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Vraiment, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen.